Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue chez Inc. Entreprise Télé, tout nouveau disponible en français à partir de maintenant tout de suite. Dans la vidéo introduction de Inc. Enterprise TV en français. Donc, qu'est-ce que c'est Enterprise TV? C'est Inc. Entreprise Télé en fait. Une chaîne de télé que j'ai conçue sur un médium qui s'appelle YouTube, qui se trouve sur Internet, qui est un réseau global de informations transmises à travers l'électricité et la lumière envers calculateurs au travers du monde, hein, des processeurs, etc. Ça s'appelle ordinateur en français, computer en anglais et en allemand. Etc. etc. Alors moi je suis un de ces mecs ou de ces femmes qui un de ces humains pour rester où on est tous pareil qui a une de ces chaînes de YouTube qui intéresse personne et c'est bien parce que c'est pas très intéressant ce que je fais ici pour, en tout cas si on comprend pas. En plus je suis long et je parle pas vite et je me perds et je dis des trucs et après mes vidéos ils durent toujours trop longtemps parce que si c'est plus que 1 minute 23 on perd la concentration parce que on n'a plus l'habitude quoi. On vient de plus en plus con quoi dans toute notre intelligence. C'est triste. Que faire donc? Ben moi je me suis dit ben je vais changer ben pas le monde mais donc l'humain qui est alors la source du système. Alors si maintenant tous les gens qui viennent oui mais moi je suis contre le système. Faut pas me contacter. Avant que vous n'avez pas compris pourquoi il ne faut pas changer le système, mais la source, l'utilisateur du système. Hein. C'est facile. Hein. Si maintenant vous prenez une voiture hein, et le système routier, c'est l'Internet. Hein. C'est un réseau comme un autre. Un réseau, c'est toujours un réseau. Hein, tant qu'il n'y a pas de définition. Alors l'autoroute, c'est maintenant ben, l'utilisateur, au lieu d'aller tout droit, il va gauche-droite, bing, 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 il fait un accident. Mais c'est lui le con, c'est pas la voiture. Vous avez compris. Alors si on dit oui, mais je suis contre le système, ben t'es contre l'organisation de cet ensemble pour pouvoir vivre le mieux possible. Et ça, c'est pas utile. Utile, c'est des gens qui disent moi, j'ai une vision utopique en moi parce que j'ai une fantaisie, ça s'appelle. C'est comme si vous avez vu Matrix, le film, là. À un moment, ils vont dans, avant qu'ils vont dans la vraie Matrix, qui est alors la simulation des méchantes machines, blablabla. Ils vont s'entraîner et ils ont la matrix mais en vide. Et une matrix en vide, c'est quoi? C'est tout ce qui existe sans que ça ait été défini. Et là, ça c'est notre fantaisie. On a ça dans notre tête ici. Hein. Mais les enfants, ils savent plus l'utiliser. Mais en grandissant intérieurement, on devient adulte et là on commence à comprendre. Malheureusement, je vois pas beaucoup d'adultes dans ce monde. Et moi, j'ai essayé d'éviter d'en venir un et j'ai compris si j'en viens pas, ben ça va jamais changer. Hein. Bon, bref, c'est pour ça que je fais Enterprise TV et c'est open source. Moi, je fais contre copyright. Toutes les vidéos que je fais, vous pouvez prendre et vous pouvez m'humilier ou me glorifier. Faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez pas me soutenir, je vous conseille de m'ignorer parce que c'est le meilleur truc. C'est ce que je fais avec certains gens qui sont... sur des positions qu'on voit beaucoup dans la télé. Moi, je ne prends même pas en considération parce que ça ne vaut pas la peine. Pas parce que je ne les aime pas, mais ils sont trop éloignés de ce que je comprends. Et si je parlerais avec eux, on ne se comprendrait pas. Et on se prendrait la tête et après, voilà. Ça ne sert à rien. Bon, voilà. Ben, bienvenue chez Inc. Entreprise Télé, France. Ben, ce n'est pas France. Ben non, c'est parce que je dis ça parce que je suis à Toulouse. Et on va commencer cette chaîne à Toulouse, avec les bons citoyens de Toulouse et les pas bons citoyens de Toulouse. Et moi, je suis content pour ça, hein. Alors, à bientôt chez Inc. Entreprise Télé en français, pour tous ceux-là qui savent pas parler plus qu'une langue. Vous êtes mono, hein. Dans les langues, moi, je suis tri, parce que je parle trois langues.
Le 3, comme les chrétiens, ils comprennent tout de suite. Ils n'ont pas compris pourquoi, mais ils disent toujours, ouais, le triangle, là, le triangle, oui, là. Féminin, hein? Le triangle, si on veut. Et le 1, c'est donc quoi? Le diable. Allez, je souhaite une belle... Je sais pas l'heure quand vous regardez la vidéo, alors je vous souhaite pas une bonne heure. Hein. Je vous souhaite tout le bonheur qu'il vous faut pour vous dans votre vision du monde et dans votre vie. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est le message de l'amour que tous les prophètes avant moi, ils l'ont déjà dit, c'est pour ça que je le sais, parce que je les ai écoutés. Et peut-être un jour, qui sait, moi aussi je vais être un prophète. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est qu'on est tous des prophètes. Ce qu'on est déjà. Mais il faut en être conscient. Allez, Menschenkinder, vereinigt euch!